magnifique. On est le 4 juin. That makes me tend to leave my sleeping bag all up and stashed behind the couch. Pas belle la vie, Nico. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, and the ink stains that have dried up bones and lines. Moving on a back road by the river, my memory, and for hours. Thank you.
On a gagné facile, chef. Slicking cocksucker, motherfucking son of a bitch. J'ai un rapport sur le doigt. Comme des clochards. J'ai un rapport comme quoi il paraîtrait que j'ai crié sur les arbitres et sur les délégués. Très peu. Je pense. Heureusement qu'on a gagné d'un but facile, hein, 23-22 hier, parce que là on est vraiment au trou du cul du monde. Hein. T'as qu'à voir, hein, quand on habite à Morbach, c'est que ça craint. Mont Blanc, l'aiguille du midi. Les grandes Jorasses. Waouh, c'est beau, Karim. Magnifique. Hein. Moins 16 à Mulhouse. Moins 16 et moins 19 ressenti. Hein. When Jesus was, oh, when he was... C'est froid ou pas? Mais c'est Cotard. Non, il fait pas froid. Hein? Il fait pas froid. Et Cotard, il a migré de mini. Eh, rouquin! Moi, je migre à chaque fois, j'ai toujours, j'en ai jamais c'est eu. J'ai ouvert, hein? Ouais. Ah, c'est vrai. Jesus was, it was the scenes away. Il était dit que les déplacements au Canigal, c'est toujours la galère. Quand je pense qu'on doit descendre à Nice demain, oui, mais on a une collation de prévu. Comment ça, il faut évacuer l'hôtel? Mais on va aller où, monsieur? Bah écoutez, j'arrive. Parce que là, il faut prévenir les chambres. Bon. Oh putain, on est noir. Bon, bah écoutez, s'il faut évacuer, mais vous avez où nous reloger? Bon, bah, et j'arrive, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pompiers. On est noir. Oh putain, il y a le feu. Voilà. Putain, il fait moins 30. Et il y a le feu. Oh, il y a tout le monde qui se barre, con. Karim, c'est ta faute, ça. C'est ta faute. Je sens le bon week-end. Le bon week-end caligalesque, n'est-ce pas? On est tombé en panne ce matin avec le minibus. Il fait moins 20. Maintenant, c'est l'hôtel qui prend feu. Bon, ce soir, on devait prendre une grosse valise et puis on met 4 jours pour rentrer en minibus demain matin. Je le sens venir. Grâce aux canalisations qui ont pété, on est royal là. Ah là, on est dans un hôtel, on a été relogé. À quand le prochain événement? On attend de ce qui va nous. J'espère que ça ne sera pas un double salto du minibus demain dans le fossé. Mais le cas d'égal, tout est possible, mon cher. Oh, tu crois qu'il fait froid? Oh, 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 oh. Moins 17. Même pas froid. Ouais. C'est beau ici, hein. Mika, il est bien, Mika? Mika. Bon. Alex. Ça va. Au but, toi. Ouvre les yeux. T'as niqué? T'as niqué, Mika? Ah non, j'ai paniqué, moi, j'ai pas posé ça. Bien joué, ça. C'est mignon. Ouais, la vidéo. On sent les pros. Mika, tu trouves pas qu'il fait chaud? Il fait moins 6. Ah, grave. Prendre tarif par ma gonzesse, par message. Ouais, justement. Le délégué.
Danilo, hier soir, il a pris 2 minutes pour un jet de balai derrière le but. Ça, on a innové au Cavigal. Le gamin, il pleurait. Oui, le gamin, il pleurait. On a perdu le prix du fair play, bordel. Qu'est-ce qu'il y a, Danilo? T'es fatigué? On va boire le café, hein? On peut la mettre dans les skis, on peut skier. Ouais, c'est beau ici. La nuit a été longue. Oh, la grande équipe du Cavigal. Alexis Poirier dans le chandelier. C'est très haut niveau. C'est les mecs du Nord, ça. C'est toi qui t'es fait sucer par un chien cette nuit ? Je suis réveillé avec un Jack Russell dans mon lit. Ouais, Allez, faites-moi un défilé fashion, là. Allez, Charles, c'est pour toi. Voilà. Voilà. Nouvelle collection. Oh, Charlie. Arnaud, ah voilà, oh oui. Ouh, brise d'anus de chez Duchling. Voilà. Fashion. Ouais, fashion. Non mais le Mika, le déhanché. Allez, allez, cutter. Voilà. Ouais, on les voit les mecs qui ont le métier, putain. Là c'est un peu le mannequin qui s'est fait prendre par derrière, putain. Toujours lui le nez, hein. Eh ouais, désolé, hein. Oh, tout le monde l'a dit. Allez. Oh, le balai dans le cul, mon pote. Pour combattre Villeurbanne, je pense que une bonne cuisse à la bière à la mi-temps avec un bon petit rosé frais et nous allons gagner le match. Les gars, l'homme décisif, ça a été Nico, je veux pas dire. Ah, voilà.
Mais oh, c'est grâce à vous, à force de dire qu'on n'a pas de pivot, putain. Avec une survala à trois rebonds. Ah, grave, I'm feeling sexy and free.